aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo avec Rachel. Salut. Donc on va vous faire une vidéo dégustation de la marque American Corner. Donc on va commencer tout de suite, le lien du site est en barre d'infos et je vous mettrai les liens aussi des articles. On va commencer avec de la viande sèche, ça pue hein. C'est pas bon. Non, ça. Bon, on va goûter. Je sais pas du tout quel goût ça peut. Oh non, par contre j'avais pas vu à ce point-là, regarde, on dirait que c'est des écailles. Oh. Prends un plus gros bout. Ça a le goût de plastique. C'est pas très bon. Hein. Ça a le goût de plastique. Bon, il y a des gens ils aiment bien, donc comme quoi il faut goûter. Mais... Oh non. C'est pas bon. Moi je mets 4. Ah oui, 4 aussi. 4. Pour faire passer le goût, on va boire une boisson, donc à ce qui paraît c'est connu. C'est du thé et du citron. Oh. Ouais, ça c'est le goût d'ice tea. Ça le goût d'ice tea un peu plus... Je mets 7 moi. Oui, 8 parce que j'aime bien l'ice tea, c'est bon. Ok. Avec toujours salé. Ouais, donc on en a pris 2. On a un qui a la moutarde, l'oignon et le miel. Et l'autre c'est... Vinaigre. Ouais, vinaigre et tout. Bon, on va goûter, viens prendre. J'avais pas aimé ça. 2, 3. C'est bon. L'arrière goût dégueu quand même. Oh, moi j'adore. Moi toi t'aimes bien. Je te donnerai. Bah 10. J'adore. 10. Moi je mets 5. Ensuite on va goûter donc les mêmes sauf que c'est vinaigre et tout. Ouais. Puis il y a des épices dedans. Ouais je crois. 1, 2, 3. Non j'aime pas ça. Ouais, faut aimer le vinaigre. Je mets 3. Pas bon. Voilà. 4. 4. Ok, on a fini avec le salé, on va enchaîner avec du chocolat. Donc c'est des Butterfingers. Oh, il y a un poil. C'est génial. C'est du chocolat avec du beurre de cacahuète à l'intérieur, je crois. Ça croque. Un petit peu de caramel dedans. Ouais. Moi ça c'est bon. Ça fait un bon mélange. 7. Moi je mets 7. Non, pareil, 7. Et M&M's au peanut butter. C'est bon. Ouais, ça c'est super bon. En fait bah, c'est pareil que les normaux aussi mais juste que y a pas la noisette. On va continuer avec des Reese's, donc c'est un truc assez connu. Donc là c'est les petits, donc c'est des petites coupelles de chocolat. Ouais. C'est bon. Moi je mets 9. 6. C'est bon mais à part je pense que ça doit être écœurant, genre on peut pas en manger plein comme ça. C'est trop bon. 10. Pareil, 10. Chocolat blanc avec des morceaux d'Oreo à l'intérieur. Trop bon. Mais je trouve qu'il y a plus d'Oreo dedans. Ouais, si. Ensuite, on a goûté ça. C'est une barre Lucky Charms. Donc, c'est des céréales, elles sont assez connues, mais j'ai jamais goûté en barre. Ouais, c'est des céréales, les Lucky Charms, là, toutes les couleurs. Et en dessous, je crois que c'est du lait ou du chocolat blanc. Ou du chamallow, je sais pas. C'est bon. C'est pas transcendant. Ouais, puis c'est une grande barre, donc je cherche pas des briques, quoi. Continue avec des Fruit Loops. 2, 3. C'est pas fruité, enfin, c'est spécial. Pas transcendant. Trop de fruits. Moi je mets 4. On met 4 aussi. On va goûter des Skittles tropicaux. C'est bon. Ouais. C'est bon ça. C'est bon. Donc c'est des candy corn, donc c'est Jelly Belly qui fait ça, je crois. Et c'est Halloween. Ouais, ça c'est les bonbons pour Halloween. Ça. Ah, c'est bon. Je pensais qu'on allait retrouver le goût du fruit, mais il n'y a rien. Non. Quoi? Non. Donc là, c'est quoi ça? C'est. Framboise. Ah, le fruit sauvage, quoi. Ouais. C'est bon. On va c'est quand même. Pas de mal. À la pastèque, c'est moins bon. Moi, je mets 6. Ouais. Parce que. J'ai pris ceux-là, donc c'est fruits sauvages et pêches. On se fait à côté des Jelly Belly. Donc, ça, c'est un peu la base. Ouais. On dirait un peu des dragées bus. Hein. Ouais. Donc c'est du fluff. C'est bon. Super bon. Super bon. On a de l'Arizona, donc c'est à la grappe et au citron. Donc ça, je sais pas si ça va être bon ça. C'est gazeux. Ouais. C'est au kiwi et à la fraise. Franchement, c'est bon.
On sent que la fraise par contre, on sent pas vraiment le kiwi. Franchement, ceci je vous le conseille parce qu'ils font plein de produits bien et ça peut être bien de faire une commande pour goûter un peu les trucs qu'ils n'ont pas d'ici. Oui, américain. Si vous voulez revoir Rachel dans une vidéo, il faut atteindre 6000 j'aime. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Bye.